Bonjour à tous. Bonjour. On est le groupe In The Can, donc on est un duo folk rock qui joue dans le métro parisien et sur les scènes de France et d'ailleurs. Moi c'est Neil, guitariste et chanteur du groupe. Et moi c'est Julian, percussionniste, bassiste à 16 heures suivant la formule et chanteur au cœur. Tu es contre. On est contre plein de choses. On est surtout. Je suis. Voilà. On est avant d'être contre. On est aussi contre. On est aussi pour pas mal de choses. Mais là, le principe, c'est on est contre. Donc soyons contre. On est contre plein de choses différentes. Il y a plein de choses qui nous énervent. Il y a plein de choses qu'on met dans nos morceaux. D'ailleurs, on a des coups de gueule. On a des ressentiments, des injustices sociales, des aventures qui nous sont arrivées. On est contre la connerie, je pense. Ça aurait dû s'appeler ça. Je suis contre la connerie. Ouais, exactement. C'est qui a fait ça? Gaëtan Abrial. Gaëtan, il faut lui dire que voilà, on est d'accord avec lui, mais il faut spécifier entre parenthèses la connerie. Je n'ai pas besoin d'amour, Céline Dion. Ouf. Ah bah Céline, écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si, bien sûr, c'est même le moteur. Besoin d'amour, bien sûr. C'est même le moteur. Il est là, le moteur. Il est avec les gens, il est avec les gens qu'on rencontre, il est avec notre famille, il est avec... Notre amour fraternel aussi. Avec les autres êtres humains, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Mais non, je ne suis pas d'accord avec cette adage. Avec cette Céline. Cette certaine Céline Dion. Notre voix est loin d'être toute tracée, en tout cas, que ce soit les cordes vocales ou le parcours qu'on peut avoir. Dans les deux cas. On avance à vue, on avance, on se remplit à plus ou moins long terme. Mais, on se remplit d'expérience à travers les années, on accumule, on enchaîne. Au niveau de la voix, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire avancer un petit peu les possibilités vocales, donc peut-être s'arrêter de fumer un de ces quatre. J'ai testé les journées sans tabac là en ce moment. Mais c'est pas gagné, je m'engage pas parce que sinon après trop de pression quoi. Tu vois. Mais non, la voix VOIE m'intéresse beaucoup plus. Donc on va imaginer que ce soit ce style de voix là. Donc, écoute, notre voix, on va se la faire peu importe ce qu'elle sera. En tout cas, elle sera. Le but c'est de réussir à pouvoir. À réussir à aller là où nos rêves nous dirigent, on va dire, justement. Putain, pour... C'est beau, je sais. Putain, tu devrais faire musicien. Ouais, je sais, ouais. Ou faire des interviews. Je devrais. Souvenirs. Bah écoute, nous on est frangins, donc les souvenirs, au-delà d'être musicaux, ils sont avant tout fraternels, quoi. Ils remontent à très très loin. Donc c'est ce qui a forgé la musique naissance. Qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi j'ai le souvenir de toi, je suis un tout petit peu plus âgé, donc toi dans le berceau, du coup. Tu commençais à taper sur les barres. Un peu plus barbare qu'avant. Sinon, souvenirs musicaux, on a eu plein. On a fait des très belles scènes au fur et à mesure des années. Ça fait 5-6 ans qu'on existe maintenant, sous ce nom-là en tout cas. Les Montmartre. Cette année, on a fait Solidays et Artrock Festival. Les souvenirs, il y en a trop pour être tous mentionnés. Mais il y en a en tout cas. On fera un petit bouquin. Aujourd'hui, on est au Divan du Monde. Oui. On vient représenter notre album qui est sorti fin mars. Fin mars. Un EP qui s'appelle Promise, un EP de 6 titres. Disponible sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Et à la vente sur internet, effectivement. Encore mieux. Donc aujourd'hui, dans l'actualité, on continue les scènes, on continue à être musicien du métro, on continue à être nous, naturellement, on continue à écrire de nouveaux morceaux qu'on espère de mieux en mieux en tout cas. Et on a plein de choses en tête. Le futur qui s'annonce chargé avec plein de projets. Donc on a le What's in the Can, donc c'est un format de reprise qu'on a mis en ligne en début d'année. Donc il y a 21 épisodes disponibles, on va sortir la compile de cette première saison. Juste l'audio. Et on est en train de préparer la saison 2 en vidéo, donc qui arrivera d'ici quelques mois. On a aussi un album en préparation, on a pas mal de scènes de prévues aussi. On va continuer encore en tant que musicien du métro pour aller à la rencontre des gens. On va voyager aussi, on va aller taquiner un petit l'Angleterre, le sud de la France, l'est, l'ouest, à gauche, à droite, à droite, en bas, partout où on voudra nous, on sera de toute manière. Voilà.
Et même là, on voudra pas de nous. Ouais, voilà, on sera là. Ouais.